Et salut YouTube, hello hello, bienvenue du coup sur la nouvelle VOD du coup d'un jeu Itch.io qu'on n'avait pas fait la dernière fois, donc dans les précédentes VOD. On avait fait pas mal de jeux en fait Itch.io et celui-là on faisait partie mais on l'avait pas fait. Et du coup on va le faire ensemble aujourd'hui. Il s'appelle Something Rush. Le synopsis j'avais lu tout à l'heure pour le stream. Mais du coup, attendez, il faut que je vous le relise pour vous vite fait. En gros, c'est quoi? C'est... vous êtes détective sur une affaire impliquant 3 meurtres et en une nuit, la police n'a aucune idée des tueurs. Est-ce que c'est un faux solitaire, le gangster ou bien quelqu'un d'autre? Et voilà, c'est tout ce qu'on a comme, du coup information. Et sinon, la petite info, c'est que la personne qui a fait le jeu, je ne sais plus qui c'est, j'ai pas regardé, je vous avoue les potes. C'est son premier jeu d'horreur. Donc voilà, on part sur un jeu Itch.io où on ne sait pas trop non plus si ça va être un jeu banger ou si ça va être un jeu, bah voilà, qui va pas du tout l'être. Mais du coup, force à nous. On verra bien les potes. Mais voilà, on verra bien. C'est un jeu Itch.io les amis, on va pas non plus s'attarder dessus, on verra bien. On va juste kiffer, en espérant qu'on se fasse pas chier. Et voilà. On est parti ou pas? Let's go. WASD, donc ça veut dire déjà ça se joue avec le clavier en anglais. Ok, espace pour sauter. On peut sauter, d'accord. Pour courir, shift. E pour interagir. Bouton gauche de la souris pour les dialogues. Et tab pour les notes. Ok, let's go. On est parti les amis. Vous êtes un détective. Et vous allez enquêter sur 3 meurtres qui se sont passés en une nuit. La police n'a aucune idée du tueur. Est-ce que c'est un mauvais méchant, un gangster ou quelque chose d'autre? On n'a aucune idée les bots. Très bien. Bon, démarrons cette affaire. Le son est fort. Alors, qu'avons-nous ici? Ça ressemble à une tente, du coup, qui a été retournée après l'incident. Il n'y a pas besoin d'être détective pour comprendre ça, en fait. On le voit. On le voit, ils sont trop envoyés en l'air. La tente est tombée à l'envers. Oh, mon Dieu! Une paire de bottes. Ouvrez la deuxième. Ah oui, quand même. La hache est toujours sur lui. Pourquoi il l'a pas ramassé? C'est le moment d'y aller. Du coup au deuxième spot. Partout où je vais, j'adore cette voiture. Un endroit silencieux. Ok, il y a une statue. La scène de crime est là, ok. Ah, bah je peux pas y aller. Ah oui, d'accord. Oh, waouh! Il y a des parties de corps partout! Dans les buissons. Je sais pas comment ils ont fait ça.
Ok. Ah. Une roue qui est cachée ici. Et il y a du sang qui est dessus. Intéressant. Oh là là, le corps est mutilé partout ici. Mais où est sa tête ? Ok. Là, on l'avait vu. Là, je peux pas aller. Et nous, là, on cherche la tête, hein. Ok, j'ai pas. Monsieur, excusez-moi, vous avez pas vu une tête quelque part ? Non. Il me répond pas. Décidément. T'es dans les arbres en vrai, hein ? Ok. Je me disais c'est avec qui la voiture, mais c'est à moi, c'est vrai. Est-ce que je peux sortir de la scène de crime ou pas ? Ouais, je peux. Je peux. On peut pas aller par là, d'accord. On peut pas lui parler. Là, on peut pas y aller. Putain, je me suis dit, ça se trouve, la tête, elle est en dehors de la scène, en fait. Et ils l'ont pas vu, ils l'ont pas trouvé. Et du coup, moi, je l'aurais peut-être trouvé, mais non. Non. Apparemment, il faut que je la cherche. Donc, peut-être qu'elle est sur un banc. Ou sous un banc. Non, pas du tout. Je peux pas réinteragir avec ça. Attendez, parce que là, du coup, tout à l'heure, ici, je pouvais réinteragir. Regardez. Il y a des traces de pneus ici. Maybe they were in a rush. Peut-être qu'ils étaient pressés. Je pense que c'est le moment d'y aller. Bon, on va rentrer. Coucou Hugo. Ça va, tu vas bien Hugo? Bon, c'est le moment d'y aller. Ok, on y va. Qu'est-ce qui se passe ici? Les gars, j'ai oublié de faire quelque chose. Attendez, hein, vous allez voir, c'est incroyable. Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai manqué pied et tout, les pattes là, c'est bon. On est bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Hey! Hey, j'ai rien fait. J'ai rien fait de mauvais, de méchant. Ouais, qu'est-ce que t'as fait, vilain petit canard? Alors, monsieur, fais-moi le malin, hein? On s'est fait arrêter, hein? Vous avez eu votre tête? M'étonne pas, hein, du coup, vous faites des bêtises, vous. Ouais, c'est vrai qu'on peut sauter. Attends, je me suis demandé quand est-ce qu'on allait sauter, bah c'est le moment.
Hop. Excusez-moi, j'ai pas mis les bonnes. J'ai pas mis les bonnes lunettes là, les potes. C'est bon, là, on sent mieux, on sent plus flic. On enquête, on enquête. Peut pas sauter là. Je peux pas sauter là-dessus non plus. Je pensais que je faisais... Ouais, il faut que je descende, non? Ça sert à rien que j'aille là. Ah merde, on est revenu là. Alors, est-ce qu'il faut... Ouais, vous pensez qu'il faut que je prenne de l'élan ou pas? Pas du tout. Ok, faut qu'on l'enquête, faut qu'on l'enquête. Là, je peux pas passer. Non. Non. Je sais pas comment faut que je passe, les potes, mais là, il faut que je passe. Oh non, j'ai essayé d'y aller vite, en courant. Oh, j'ai réussi, les potes, j'ai réussi. Faut pas que je tombe, ok. Ah bah je crois que si en fait. It's for you, enemy. C'est terrifiant. Toi et moi. Je dois parler de tout ça immédiatement. Sans que... Hop, on va mourir. C'est sûr. On pourra jamais partir, je vous le dis. Oh, j'arrive pas à sortir. Allez. La police de voiture est toujours là. C'est vraiment inquiétant. Ouais, c'est très inquiétant. Hein. On peut pas aller par là. Retrouve-moi au campsite. C'est quoi le campsite, les potes? Alors peut-être qu'il faut que je prenne ma voiture. Leave. Ah, c'est le camp où on était tout à l'heure, ok. Cette route est bloquée. Selon mon enquête, les amis, selon mon enquête,
tout menait à croire qu'on allait vraiment voir quelqu'un qui nous a fait une connerie, sauf que là, apparemment, j'allais vraiment pas m'attendre à ce que ce soit ma voiture qui soit possédée. Écoutez, allons-y. Ah! C'est bloqué. Oh my god, in this fucking house! J'ai pas compris ce qu'il faut faire. J'ai absolument rien compris, hein. Derrière aussi. J'ai pas compris ce qu'il faut qu'on fasse, les potes. Ah d'accord, il faut courir. J'ai compris. J'ai compris. Cela, ça se casse du coup. Ok, j'ai compris. D'accord. Faut que j'attende qu'il passe et après je... Quoi? Non, c'est trop. Il était même pas sur nous, genre. Ah merde. Je me suis trop approché, les amis. On va mener l'enquête, tes potes. À tout moment, il y a quelque chose derrière. Mais là, pour l'instant, l'enquête, j'ai juste envie de la vivre. Mettez cette enquête sur le dos de quelqu'un d'autre. Hein. Moi, je suis pas du coup votre enquêteur expert là pour ça. Hein. On part sur l'enquête. Mais quoi? Ok, la question c'est, ça se trouve, faut que je fasse tout en un seul trait. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Putain. Wouah, les frérots, je ne fais plus de jeu d'horreur, hein.
Ok. Shit. Mon Tokiwalki est tombé. Et mon arme aussi. Je pense que je dois appeler. Ici le 911. Qu'est-ce qu'il y a de votre urgence? C'est détective Sander qui vous parle. Et je suis sur le camp là. Oui. Mais comment on peut vous aider, monsieur? Je suis en train d'être attrapé, enfin plutôt un piège. Je suis dans un piège. Et je suis à l'intérieur de quelque chose maintenant. Ok. Du coup, comment vous êtes allé dedans dans ce truc détective? Je peux pas expliquer ça, mais... Ok. J'envoie quelqu'un une équipe là tout de suite. Ils sont en route maintenant. Attendez! S'il vous plaît. Il faut vraiment que vous déployiez une grosse équipe là. Pourquoi, détective? Vous allez pas me croire. Mais il y a un monstre qui est à ma poursuite. Mais de quoi vous parlez là, monsieur? Oubliez ça, juste envoyez quelqu'un m'aider, s'il vous plaît. Roger. Attendez maintenant. Pourquoi ma voiture d'un seul coup est devenue un monstre? Putain, fucking shit, bro. Pourquoi il m'a pas écrasé avant? Cette voiture, pourtant, j'ai bien pris soin d'elle, non? Pourquoi elle est devenue un monstre? Et pourquoi elle est pas devenue, depuis le début, un monstre? Shit, man, bro. Où est-ce qu'il est allé? Tu as été mangé par ta voiture. On t'a essayé de partir. Cette affaire, du coup, est prise par un autre détective. Et cette série de meurtres a toujours été un mystère. On a eu la bad ending, les potes. On a eu la bad ending, du coup, de cette histoire. Selon, du coup, l'expert en détection ici, je suis détective Jagger, je pense que si nous refaisons tout le jeu, et qu'à la fin, du coup, nous restons proches du puits et que nous attendons la police, il se pourrait bien que, du coup, on vienne nous sauver. Voilà. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie de se retaper tout le jeu, les amis? C'est non. Allez, ADF4. Merci beaucoup d'avoir suivi cette enquête paranormale, du coup. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié, du coup, cette enquête, évidemment. Et sachez que, du coup, c'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir mené cette enquête avec vous. Je vous l'ai raconté, du coup, ici même, sur ce plateau. À la prochaine et au revoir. Bon, les potes, en vrai, j'espère de fou que vous avez quand même passé un bon moment avec moi, malgré que le jeu n'était pas fou. YouTube. J'espère que vous aussi, vous avez quand même rigolé avec nous, parce que là, clairement, on a fait un jeu, je ne savais pas à quoi m'attendre, et finalement, j'aurais pas dû le faire. Je pense que j'aurais pas dû le faire, mais bon, c'était drôle quand même, on a bien rigolé. Merci YouTube d'avoir suivi, et à la prochaine, bye bye.